Détruisez le géant d'osier! Ah
les corps à enterrer. Vous deux, rapportez de l'eau fraîche aux blessés. Achevez les blessés. Il faut parfois savoir regarder plus loin que ce que l'on voit. Beau travail, Marius. Soldats ! Soldats ! Ne restez pas plantés là ! Espèce de bon à rien ! Faites-moi sortir ! Faites-moi sortir immédiatement ! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis ! C'est un ordre ! C'est ta victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche ! Viens là, espèce de crétin ! Donne-moi ta cape ! Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf, et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin. Et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire ? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité d'homme, et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement, en toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur ! Que le roi pose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Voici le sceau de l'empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens.